sono da molto mese. Ma con il nuovo è un sole poi sia. E le telefono a chauffer sole, le sole a chauffer telefono. On a côté début d'hiver le camper pour protection, dit camper carrément. Donc, sinon, je campais dans août. Ça a passé vendredi, je finis de faire toute bande de Mbédino, mais au moins, je dérapé quand même pour me parler nous rapidement et de situation. Là aussi, quand ça a mené opération contre Zelensky, je dis à eux-mêmes, mais nous attaquons même dans la ville natale et président ukrainien. Il y a eu tout et coup d'État en Niger, là, il y a ECOWAS. États-Unis avec une Europe là ensemble ECOWAS. ECOWAS c'est ça veut dire communauté économique État Afrique de l'Ouest. Mais yo même il fait voir font seul pour demander militaire suspendre coup d'État que commencé à demander pour retourner institution démocratique président qui était là retourner sous pouvoir encore. C'est ça situation est dans zone ça et puis dans pays d'Haïti et actualité a pas tellement pas vraiment basse, c'est peut-être nouvelle qui fait suite avec une visite. Un émissaire américain, c'est Robinson, qui fait en Afrique. D'après ça, annonce que sous secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental, là, et Brian Nicole t'a fait une rencontre qui était dans le Congrès dernièrement devant le sous-comité d'affaires étrangères. Là, il t'a parlé de visite et l'émissaire Robinson t'a fait sous le continent africain pour que la communauté ait une coalition des pays qui t'acceptent pour en tête. Une mission la paix, une mission militaire en Haïti, et bien effectivement, pendant qu'il y a un nouvel associé, mais c'est Kenya d'accord pour lui prendre une mission militaire ça, avec 1000 policiers, mais il dit à condition que le Conseil de sécurité des Nations Unies bat feu vert. D'accord. En réaction, le gouvernement haïtien bat bravo. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit que l'Haïti sous le progrès pour la mission et maintien la paix en PIA. Et le président dominicain Luis Abinader, beaucoup de parler lui-même, dit qu'il est content pour ça que passé, parce qu'il dit que j'ai fort que lui-même était fait sur le plan international pour demander support et une mission militaire pour aller déposer sur l'Haïti. Et le gouvernement haïtien, tout en la personne du ministre et Affaires étrangères, M. Généus, et bien, même il bat bravo pour Baila. Cependant, sur le plan local, en réaction, il y a deux réactions. Il y a d'abord l'ancien Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et Dr. Claude Joseph, qui est des partis politiques, les aider. Et bien, lui-même, il n'est pas d'accord, il dit que. Il n'y a pas que Kenya en position pour venir mener une force maintenant la paix en Haïti, étant donné que Kenya a un problème par la Kali, avec tout ça que ça a impliqué là-dedans, Kenya a un problème militaire par lui, donc il n'y a pas de problème la Kali pour penser que le cas venu résoudre le problème dans l'autre pays. Il y a un secrétaire de l'Union qui était nommé Diamantin, qui était nommé Diamantin, lui-même tout, il dit que il pense que son frère, c'est un bac qui est aussi sérieux, mais il n'y a pas de précaution quand même, mais il dit que. Il va prendre une position Kenya vient prendre pour diriger une mission. Rappelez que la mission, c'est une mission africaine à pied. Et plusieurs autres pays, d'après ça, qui dit déjà dans le Congrès dernièrement, que les États-Unis ont fait des marches auprès de ces pays qui n'ont longtemps, longtemps pas d'accord pour des commissions et militaires en Haïti sous demande du gouvernement haïtien de faire. Et bien, moi, il était dit que les pays qui ont participé là-dedans, par exemple, il était cité CARICOM. Quelques pays dans CARICOM, notamment pour Jamaïque. Il était cité Bahamas, il était cité Jamaïque, Bahamas, et c'est trois pays, il était cité Trinidad et Tobago. Non, c'est trois pays qui étaient d'accord pour être. Il était cité dans Jamaïque, il était cité Bahamas comme pays qui était d'accord pour être participer à nos missions. Mais pas pour dire non, mais pour être mettre des soldats pour participer à nos missions, ça pour aller des polices nationales là, quoi. Nèg bandit armé qui a des problèmes. Et puis, nous rappelons que le président Donald Trump, ancien président Donald Trump, demain, il y a trois autres chefs, nouveaux chefs d'accusation qui ont pris sous Dolly, et bien trois chefs d'accusation ça y est. Et bien, dans la campagne tapé dans Pennsylvanie, et samedi passé, bien, monsieur dit, par exemple, sa pièce, et il dit, c'est toujours la chasse aux sorcières. Et son bas ridicule, bas chef d'accusation, M. Dolio, et que ça va empêcher que quand même, il minimise le chef d'accusation, ça y est, et bien lui-même dit qu'il a continué la campagne, et comme si rien n'était. Et puis, il y a tout, on va parler de ça toujours, il y a tout le programme de télévision, et nous avons tout, dernièrement là, 7 Haïtiens qui mourent,
dans une exposition faite au côté au Brésil, et bien, l'État se met qu'entièrement Haïti ça a été fait depuis samedi. Donc, nous allons répondre aux réactions tout sur le président avec le correspondant M. Plasto et capsule de ce ça pour nous. Et puis, qui ça vient de dire nous encore, on va parler nous rapidement de. Et puis, gang qui est dans la base à Timoniclan. Et puis, monsieur frappé encore pendant le week-end encore. Il a attaqué le village. Et le côté qui a fait un pile de dégâts, mais c'est diffusé comme c'est ma fabrique. Tout est passé, mais tu fais là dans les tuer les gens et puis y aller. Et puis, gang continue à fonctionner, kidnapping continue. Il y a un docteur qui a été kidnappé et sur un patient en haut. Eh bien, bonne nouvelle, il triste. Nouvelle, apprendre que Mme Nick s'est négocié avec M. Mme Nimori. Et puis, ancien directeur, bien, c'est président du conseil électoral provisoire, Pierre Ligoué, et au pont. Eh bien, M. toujours dans mes ravisseurs, toujours. Et cela, mais qui était pris en otage tout le monde, il a même tout lancé appel pour demander M. libérer et ancien président du conseil électoral provisoire. Je salue tout le monde qui est monté, tout le monde, Gladys et Jean-Baptiste, je salue tout le monde qui fait compter là, je suis content, j'espère que nous avons passé un très bon week-end. Et moi-même tout, ça fait moi avec nous aujourd'hui. Et puis, mon petit football, mes amis. On a commencé par quelques pays canadiens, puis à la carrière, quelques pays commencé à faire malheur, puis à la carrière déjà, et cela depuis hier. Donc malheur commence à faire, c'est car pour par exemple, et on va aller parler top, non, pour ne pas comprendre. Gagner et Zambie a pas une victoire quand même, mais malgré ça, ça va empêcher que l'obligé par la carrière, parce qu'il est très difficile pour qualifier dans le football féminin, ou non, du monde, avec toi. Très difficile parce que là ça c'est goal différence qui peut aller aider. Donc gagner match surprise bien la Suisse qui lui-même avec la Norvège qui qualifié dans le groupe A. La Norvège nous a pas quitté mal débuté compétition hein. Et bien la Norvège c'est les équipes philippines dans 6 goals à 0 et puis gagner la Suisse qui fait match nul et avec organisateur de la compétition on a parlé de et Nouvelle-Zélande. Donc Nouvelle-Zélande avec 4 points, elle est obligée d'éliminer parce que et goal différence et faciliter la Norvège plutôt pour la Norvège qualifiée. Donc c'est dans groupe A, c'est Norvège avec donc c'est Norvège avec la Suisse qui qualifiée. On va dire qui est-ce qui a joué très bientôt et puis gagner tout et Nigeria dans groupe B. Nigeria a fini dans groupe ça avec 5 points. Donc Nigeria a qualifié tout. Et parce que Nigeria fait un match nul avec la République d'Irlande, mais l'équipe australienne, mes amis, les Albiens n'ont pas fait, et ça, l'Australie n'ont pas fait, mais l'équipe australienne, lui-même, tout est qualifié, et après victoire, et 4-0, il est remporté devant Canada. Donc, l'Australie finit avec 6 points, et puis Nigeria finit avec 5 points. Donc, de ça, nous comptons qu'il y a la CAIO, Canada prend la CAIO. Ensemble avec Irlande et puis Irlande pour la Cali, nous disons que les Zambie pour la Cali tout et comme Nouvelle-Zélande c'est la Cali bah la fête donc la Brit la Cali donc mais là va suivre Mathieu même avec nous même cap garder maintenant même nous tous devons suivre Mathieu avec la télévision. Pas mal de vous parler de Haïti parce qu'il y a trop bagaille, trop hypothèses ou pas jouer championnat comme ça, tout le monde continue à babier, tout le monde continue à chanter loin pour sélection nationale qui bien joué. Qui bien joué, nous avons une belle performance devant l'Angleterre, nous avons une belle performance devant la Chine. Et c'est ça, le football, le tout ça. Le tout, c'est pas bien joué qui est important. C'est victoire. On doit bien jouer, on doit bien jouer, ou pour un bout de goal, on perdit. Et dès que vous perdez, on défaite et on défaite. Donc, on n'a pas besoin de mettre en disposition. Je suis un peu de bon analyste qui dit que Haïti a des chances. Je suis un peu demandé de faire des questions. Tu vas dire que on n'a pas joué en équipe à 10 contre 11. Et puis, pour perdre devant l'équipe, on n'a pas de prendre avantage. Bon, l'autre commentaire qui fait lui-même, non, l'autre commentaire, ça c'est l'autre spécialiste dans les affaires sport qui dit que entraîner à pêcher, les joueurs chinois dehors, les habitants étaient mettés joueurs chinois dehors, dans le match, ils étaient de monter immédiatement, ils étaient de monter et du monnaie dans le match. Il n'y a pas de temps fini pour les Chinois, ils étaient organisés, réorganisés, et puis les deuxième temps, ils prennent force.
Parce que les OPED jouent, les habitants jouent à Carton Rouge, là. Mais l'équipe chinoise est déséquilibrée. Il n'y a pas de fait parce que la bloc, il n'y a pas de coussin, ça, c'est pas arrêté qu'on est. Les joueurs, les OPED de l'artiste, ils ont 15 000 mi-temps quand même. Mais ils ont dit, si on tenait à l'entrée du monde dans le moment ça, peut-être que les résultats sont capables de différents. Et tellement vrai, les du monde est monté en deuxième mi-temps. Et donner au changer sous terrain. Je vais te changer parce que au besoin leader, au besoin monde qui pour bien fort et puis si t'as pas suffi seulement et comment néanmoins des pas suffi seulement même si t'es gagné support à l'équipe. Mais avec du money, bon du money, l'élément de l'équipe a été beaucoup plus fort. Même papa, on a parlé, on dit oui, Haïti pour perdre mathématiquement, bah qu'on est maintenant bon ouais parce que possibilité au moment de venir, au moment que capable bien trois équipes qui monte, qui finit à 3 points. Si Haïti t'a calé Danemark, et si Angleterre t'a calé la Chine, donc il y a trois équipes, il y a trois points parce que la Chine a eu trois points déjà. Donc, au long hypothétique, on parle de différence de but. Je ne sais pas comment on a fait sur ça, en entendant le ballon, en entendant ça qu'on a fait là demain, on connaît qui deux équipes dans le groupe DA qui va aller la Caillou demain. Qui est-ce deux équipes qui va aller? Nous connaissons Angleterre déjà, il y a un ticket pour l'été déjà. En tout cas, et ma baba nous 8e de finale ma bande deux matchs déjà nous déjà connaît déjà la 8e de finale là la commencé le 5 août c'est samedi ben là ça gagne équipe suisse là suisse qui finit premier dans groupe A dans groupe A et ben là pas contre avec Espagne qui finit deuxième dans groupe A là donc dans groupe B et puis gagne et Japon qui a pas contre avec la Norvège non avec le Japon finit en tête du groupe avec le Japon et remporter la victoire devant l'Espagne, que le Calais, et un bon athlète pour le Japonais, là, l'Espagne. Donc, Japon a été dans cette vie à Japon, après contre avec la Norvège. Match a été fixé pour samedi, et 5 août, entre-temps, on va battre l'autre match qui va gagner après ça. Et puis, il y a une grande surprise, il y a Colombie qui est en meilleure position pour qualifier tout pour 8e de finale là, il y a Jamaïque qui est en bonne position tout pour qualifier pour quart de finale là, donc en pile gozé. Gogozea, Gongote Potaela, son match entre les États-Unis avec Portugal. Match a joué mardi. Donc son gros potaï net à États-Unis Portugal parce que tous les équipes sont en bonne position. Tous les équipes sont en position. Donc États-Unis nous rappelons qu'ils font match final avec la Hollande. Et, mais peut-être surprise qui gagne, c'est la main qui a perdu. La main a perdu devant Colombie. C'est surprise, oui. Allemand crise sur le terrain. En fait, c'est pour les fois, Allemand a perdu en phase de groupe. Perdu au match en phase de groupe. Depuis 1995. Donc, nous allons comprendre ça, ça veut dire pour Allemand. Et Allemand, il a remporté le titre là déjà. Mais surprise pas nous-mêmes dans zone, non. C'est le champion olympique, là, Canada. Canada a éliminé. Et il n'est pas joué, mais l'équipe, il n'est pas traqué l'équipe australienne. Je veux saluer à table devant le public et vraiment, vrai, mesdames, défoncer pour être capable de remporter la victoire et vous avez besoin de victoire pour être capable de qualifier. Mais malheureusement, pour l'équipe Nouvelle-Zélande, lui-même, il est éliminé. Eh bien, on nous console, nous, mes amis. Nous ne sommes pas fâchés, non? Parce que, ouais, m'a dit que le Japon a l'Espagne 14-0, alors que l'Espagne est une belle équipe. Demain, le championnat continue, monsieur. Le championnat continue, donc là, ça. Le vieux bonheur, Haïti a pour un match Haïti a fixé pour 7h du matin. Donc c'est match groupe là. Deux équipes dans le groupe là, plus à même là. Pas un coquin. Deux équipes dans le groupe là, plus à même là. L'Angleterre a rencontré avec la Chine. La Chine, rappelez-nous, dit pas pour faire l'Angleterre aucun cadeau parce que la Chine a besoin d'un match nul. Un match nul, capable d'elle, ça dépend des résultats Danemark avec Haïti. Si Danemark t'a calé, Danemark a mis 6 points, donc l'a qualifié. Pas grave à mon cap dit moi oh monsieur ça lui même il pas haïtien lui même dit pas regarde les gens la parler non son fond parler fond dit bala dire Danemark gagne 3 points si le cala Haïti il gagne 6 points l'a qualifié Danemark vient là pour qualifier tout comme Haïti rater chance parler il rater Haïti rater chance tout simplement il me dit oui mais qu'il a un point goal de pendant dans jouette c'est dans pénalité le point OK on défaite ton défaite non. Moi, je crié tout ce que j'étais sous terrain, je crié tout. C'est ça, l'équipe qui vient jouer pour la jouer pour le gain. Donc, si Danemark calé Haïti, donc, ni la Chine,
à moins que la Chine t'a calé en Angleterre, ça dépend qui entité a. Donc, laisse ou pas l'autre lot pour ou pas trois équipes. À 6 points. Oui, si Danemark à Haïti et que la Chine à l'Angleterre, il y a 3 équipes à 6 points. Donc, différence de goal ou bien confrontation préalloquée. L'autre scénario, on nous dit que c'est Haïti qui calé, Danemark là. Danemark, tu gagnes 3 points. Et puis, nous dit la Chine à l'Angleterre. La Chine a qualifié. La Chine à l'Angleterre, tout l'été, tout qualifié. Donc, nous avons un scénario, ça ne va pas bien garder. Maintenant, si l'Angleterre est calée, la Chine dans ce cas-là, donc la Chine a pris avec 3 points. Comme Haïti, calé Danemark 3 points, donc 3 points. Donc, on va le garder. Et alors, on a l'autre qui dit il faut que Haïti, au moins pour Haïti, mette une chance par le bon côté, pour t'a marqué 2 buts. 2 buts d'écart. Et 2 buts d'écart, là, il faut une différence de buts. Haïti a gagné une différence moins 2. Moins 2, il prend 2 pénalités, moins 2. Ça veut dire qu'il faut le marquer 2 buts d'écart, après il faut fini, il faut 0 but. Donc là, ça va le garder l'autre bagaille. Donc. En tout cas, nous avons deux mondes sur place là, Valérie Saint-Louis, avec Junior Gentil Augustin. Monsieur pas dormi parce que monsieur a travaillé sur l'autre avec nous. Je dis à monsieur, il y a 12 heures de temps de différence par rapport avec nous. Donc, si on y a à midi pour nous voir ici, il est déjà minuit là, monsieur. 12 heures de différence. Donc, vous comprenez les difficultés que vous avez. L'autre travail non aussi difficile. Parce que, vous avez travaillé avec Washington et monsieur, il y a eu en direct dans l'émission qui est à 4 heures. À 4 heures de l'après-midi. À 4 heures, ça veut dire 4 heures du matin là pour monsieur. Il est obligé de lever depuis à 3 heures pour voir qu'on a un bon café, bon petit thé, on va pouvoir être capable d'échanger. Pour être capable de ranger parce que l'offre de venir dormir, vous ne voyez pas les mêmes gens. Donc, je m'en parle avec nous, allez me lever matin, vous me battre comme ça. Donc, avec le temps, vous allez venir. Ah, mais, mes amis, monsieur, nous avons passé un bon week-end, mais passé une bonne semaine toi, avec la Voix de l'Amérique. Je dis en train de la caille, et parce que je dis à ce lundi, donc Jacqueline en caille là, et je suis avec Audi Guess. Et je ne suis pas là, bon, je ne suis pas là, et Audi Guess avec Jacqueline seulement. Donc, chaque monde. C'est un silence dans le cas là. Bon, ça va là tout, non? Donc, monsieur, cher cochette dans le cas là, au dégueu avec Jacques. En tout cas, monsieur, passez un bon week-end, mes amis. Bien content de faire un petit parler avec nous jeudi. En tout cas, et même si avec nous, je souffre, même si avec nous, je suis sur le sport, même si avec nous, je ne pas dormir tout. Le match a joué à 1h du matin, je me lève même là. Je me lève, je garde le match. Le match qui joue à 1h, je garde le match qui joue à 3h, je garde le match qui joue à 6h, je garde là. Donc, je ne pas dormir tout. Donc, je vais comprendre ça, monsieur, quand on a passé le poids. Bonne semaine tout le monde sur la Voix de l'Amérique. Bye bye.